petit café serré avant le vide-grenier. Bonjour YouTube, c'est Chilé, bienvenue dans ce nouveau vide-grenier live. Alors je suis déjà dans la voiture, hein, je suis déjà parti de chez moi pour pouvoir vous faire cette intro directement dans la voiture. Aujourd'hui je vais direction Elbi, il me semble que c'est Elbi, mais de toute manière je vous le remets, qui se situe à l'église en Belgique, hein, bien entendu. Hein, ça, je vais pas bouger mon cul jusqu'en France pour faire les vide-greniers. Ils attendent à peu près 120 exposants, donc ça peut être sympa, surtout si on y va très tôt. Il est actuellement 5h17, le vide-grenier commence à 6h, j'ai environ 30-35 minutes à rouler, je connais pas la route. Donc bon, c'est pour ça que je me rajoute toujours 5-10 minutes, hein, parce que je ne connais pas non plus les routes par cœur, surtout que je les utilise quasi jamais, hormis pour les vide-greniers. Bref, c'est parti. Ah oui, et je rappelle pour ceux qui me découvrent, objectif, jeu vidéo, BD et carte Pokémon très précise, mais bon, ça c'est vraiment le dernier point. Et c'est bon, je suis arrivé au vide-grenier. Alors en vrai, la route était sympathique, hein, franchement. Toujours l'avantage des vide-greniers, ça c'est que le matin, il n'y a personne sur les routes, c'est génial. Bon après, il ne faut pas non plus négliger... Qu'est-ce qu'il veut le chien? Il a cru que j'allais le manger? Oui, c'est bon, je disais donc, c'est bien qu'il n'y ait personne sur les routes les matins des vide-greniers, mais il ne faut pas négliger la signalisation. Car bon, on ne peut pas non plus faire mumuse, hein, j'ai envie de dire, s'il y a des radars, on est niqué. Et donc, oui, ils estimaient 120 exposants aujourd'hui. On devrait pouvoir quand même trouver quelque chose. Ouais, bon, là, je suis arrivé un peu à l'avance, il n'y a pas encore grand monde ici. Ouais, là, je suis vraiment arrivé beaucoup trop tôt. Ils annonçaient 6 heures, mais bon, j'ai l'impression que les gens peuvent venir un peu à l'heure qu'ils veulent, donc il y en a qui prennent le temps. Il y en a qui prennent beaucoup de temps pour se lever. Oh, les blondes. Là, il manque le premier tome. Sorture du pic. Non, ils ont vraiment fait ça. On est pas en super état. GG. Oh, les Garfield. Ça y est, ça devait le chercher. Gaffe, classique. Ouais, enfin des jeux. PS4. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, c'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? Ça oui, les trucs oui, il y a ça. Okay. Vous n'avez pas la console avec, peut-être? Non. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'ils jouent encore avec, non? Ah, je ne sais pas, je vous demandais si vous l'aviez en D ce matin. Petits-enfants, j'ai une Wii, une vieille Wii, une Wii qui va très très bien, tout complète. Ah, vous l'avez ici? Ah oui. Ah ben, je veux bien l'avoir si ça ne vous dérange pas, bien. Grenier, moi, j'ai pensé vendre tout d'un coup, parce que alors si on prend les jeux, j'ai plus de jeux pour la console. Donc combien pour le tout? Pour l'ensemble de tout? Oui. Ça vaut quoi, 30 euros? 30 euros, donc les jeux, les volants. Oui. Je veux bien juste voir, mais si c'est en bon état, c'est vendu. Bon, écoutez, je vais prendre. Ça valait la peine de se bouger le cul le matin. Piggy Simpson, ça c'est bien. Je suis déjà tout. Excusez-moi. Bonjour. Vous les faites à combien, les BD Simpsons, s'il vous plaît? 3 euros pièce. 3 euros pièce. On pourrait éventuellement faire 5 euros pour deux? 5 euros pour deux, oui, oui. Oui. Enfin, autre chose que de la Wii. Et voilà, ce nouveau vide-grenier est maintenant terminé. Mon sac est bien rempli. Bon, après, dans mon sac, il n'y a pas de jeu, mais par contre, dans l'autre sac... Bah, vous avez quasiment tout vu, hein. Y a peut-être 2-3 petites choses que j'avais oublié de vous montrer, mais bon, de toute manière, vous verrez tout une fois que je serai rentré à la maison pour le compte-rendu de ce vide-grenier live. Me voici chez moi, on est donc parti pour le compte-rendu de ce nouveau vide-grenier live, le 3ème de la chaîne. Un avis directement très positif, franchement j'ai trouvé de belles affaires, j'ai ramené pas mal de BD quand même, mais niveau jeux vidéo, je me suis très 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 bien sorti aujourd'hui. Bon, alors, je vous dirai le prix exact à la fin, que je vous avoue, j'ai compté, mais j'ai oublié. On va commencer donc avec les BD, et on fera les jeux après, parce que bon, les bandes dessinées, c'est de prix classique de vide-grenier, j'ai envie de dire. Donc voici toutes les BD que j'ai achetées aujourd'hui, on en a combien? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bandes dessinées, c'est vraiment un bon score. Alors, on commence avec les 3 premières. Donc, les 3 premières du jour achetées à 10 euros. Alors, 2 BD sur Garfield. Bon, j'aime bien le personnage de Garfield. Et j'avais qu'un seul tome à la maison, alors que j'en avais lu quelques-uns en bibliothèque il y a des années. Et le tome 12 de Gaston, normalement je ne l'ai pas. Normalement, parce que ça m'est déjà arrivé une fois d'en acheter un que j'avais déjà. Parce que bon, la collection des Gastons, j'en ai plusieurs, mais je saurais plus vous dire lesquels il manque et lesquels j'ai pas. Ensuite. Donc ensuite, pour 5 euros, j'ai eu deux Tom Simpson sur la route et les Simpson c'est la fête. 5 euros. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Bon, 5 euros pour 2 BD Simpson, pourquoi pas, ça complète la collection. Et ensuite, normalement, il reste 6 BD, oui, c'est ça. Donc, on a 6 BD Les Schtroumpfs, que je lisais beaucoup à l'époque. Et là, comme j'en ai retrouvé pour 15 euros pour les 6, bon, ça va. Donc, on a les tomes numéro combien ? Ah non, ok, donc on a le tome numéro 2, on a le tome numéro 12, le tome numéro 10, le tome numéro 23, le tome numéro 29 et le tome numéro 28. Il y en a quelques-uns que je connais déjà parce que lui à l'époque, mais au moins je les ai pour ma collection personnelle et si j'ai envie de les redécouvrir, parce qu'entre temps, bon, je les ai oubliés. Depuis le temps. Donc au total pour les BD j'en ai eu pour 5 plus 15 plus 10, 30 euros. Ah oui, et il y a également un livre que j'ai acheté, et d'ailleurs on le voit depuis tout à l'heure en fait, c'est celui-là, mais je vais pas vous le montrer au complet. Je le montrerai sur Discord, mais si je le montre sur YouTube, il y a peut-être un risque que je me fasse censurer, donc on va éviter. Et maintenant niveau jeux vidéo, bon bah de toute manière vous l'avez vu, hein. Bon, on va d'abord commencer par les petits jeux qui sont pas des jeux Wii, parce que j'en ai chopé beaucoup des jeux Wii aujourd'hui, je sais pas j'en ai chopé combien, mais beaucoup. On commence avec Soul Calibur 4 sur PS3 pour 4 euros. Bon, il est en état complet, j'avais checké le CD, il est bien, bon ça j'avais pas filmé. Pourquoi pas, je connais pas la licence, mais ça pourrait être sympa. Vas-y. Ensuite, une bonne affaire, ça je crois que je l'avais pas filmé malheureusement, mais pour 2 euros j'ai eu les deux. Donc c'est pas 4 euros pour les deux, non, c'est 1 euro chacun. On a donc Red Faction 2, j'en ai entendu parler, mais jamais vu de gameplay ni jamais joué. Et l'autre c'est Star Trek Voyager Elite Force. Écoute, ils étaient là, ils étaient à 1 euro, je me suis dit bon, ça peut être sympa dans un test. Hein. On va le prendre. Donc déjà là on a 6 euros le jeu. Et ensuite bah, tout ce qui vient avec la Wii. Alors attends. Je vais directement tout mettre sur mon bureau, ça va plus vite. Mais il y avait matière à faire, hein, franchement. Il y a des trucs dans ce sac. J'ai oublié des trucs. Non. Ça aussi. Et il y a ces câbles quoi ça, c'est câble HDMI, on s'en fout, en plus il est très petit. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Par contre je sais que j'avais acheté des jeux Wii à deux endroits, donc oui, je vais d'abord commencer par les deux ici. Spider-Man, Le Régime des Ombres, et Tony Hawk's Downhill Jam. Que j'ai eu pour 0€. Pourquoi? Parce que tout simplement la personne à qui j'avais acheté les deux BD Simpson, alors je m'en étais pas rendu compte sur le coup, j'ai tilté après, mais la personne m'avait dit donc 5€ pour ça et 5€ pour les BD. J'ai donné 20€, elle m'en a rendu 15, mais j'ai tilté seulement après parce que j'avais fait les achats en deux fois. Alors, et ensuite, bah. Vous l'avez vu, la Louis noire, en complet, c'est en... Oui, il y a des mentions à FR dessus, donc c'est le pack avec Wii Sports Resort,
Par contre, malheureusement, le Wii Sports Resort, bon, la jaquette est dégommée. Il y a pas le Wii Sports Resort dedans, mais normalement, il est dans la console, mais c'est pas tout ce qui venait avec. Alors déjà, il y a tous les accessoires qu'il y a là-dedans. Donc j'avais vu deux manettes, deux Motion Plus, deux Nunchuck. Je sais pas si c'est normal ou s'ils en ont juste remis une en plus. Mais de toute manière, ça, je la testerai sûrement en vidéo, mais c'est cool de la rentrer parce que j'ai que la Wii blanche pour le moment. C'est la première fois que j'en achète une d'une autre couleur que la blanche. Ensuite, dans les jeux, on a Wii Sports. Bon, bah écoutez, ça, je vais le revendre. Hein. Wii Sports, j'ai déjà deux fois dans la collection, je vais pas le garder trois fois. Ça, je vais le mettre de côté parce que c'est la meilleure trouvaille, mais de toute façon, vous l'avez vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Lost in Blue, jeu Konami. Bon. On verra si c'est bien. Écoutez, on verra si c'est bien. Ça se trouve, c'est de la merde en barquette, mais bon, on verra. Ensuite, ça, je l'avais pas vu directement, mais je savais même pas qu'ils avaient fait un Worms sur la Wii. Worms, j'en avais entendu parler pour le plus Super Nintendo, principalement. Donc, c'est un jeu où on se balance des missiles à la gueule, si bien compris. Ça pourrait être sympa à tester, mais après, est-ce qu'en solo c'est intéressant? Je ne sais pas. Ensuite, la deuxième édition de Qui veut gagner du million, bon bah c'était avec. Hein, j'ai la première, donc du coup c'est bien, j'ai la deuxième si j'ai vraiment que ça à faire. Un petit Mario Kart, oui, par contre, la boîte a pris un petit peu cher. Et ensuite, Monopoly Streets Depart. Alors j'avais pas checké si... Oula, ils ont retourné la boîte, eux. Ils ont retourné, j'ai le truc à l'envers. Pas grave, je le remettrai normalement moi-même. Et deux petits volants qui vont avec Mario Kart, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Mais donc, pour donc la Wii, que je vais mettre là, avec tous les accessoires qui vont avec, bien entendu. Et donc là, on a... Ah mais non, mais j'allais oublier, oui, mais attendez, j'allais oublier, bah oui. Bon, vous l'avez vu, hein, mais on a notamment le Poképark sur Wii. Bon, si ma lampe... voilà, comme ça c'est déjà un peu mieux. Poképark, c'est cool parce que je voulais vraiment le trouver en vide-grenier récemment. Parce que sur internet, il monte déjà à 20€, puis la livraison monte à 23, 24. Donc voilà, c'est cool de l'avoir, il est en français. De toute façon, j'ai pas tout regardé là-dedans, mais pour moi, il y a que du FR. Donc... Pour 30€, j'avais donc eu la Wii, Wii Sports Resort et Wii Sports Classic. Et donc là, on a 2, 4, 6 jeux. Et si vous rajoutez les deux ici qui ont entre guillemets été gratuits, hein, bon, sans lettres, hein, malheureusement, des erreurs dans les comptes, hein, ça peut arriver. Bon, après, je vais pas m'en plaindre, hein, mais bon, je m'en étais rendu compte trop tard pour réagir. Donc 8 jeux, 10 jeux même, parce que oui, encore les deux là. Donc 10 jeux, la console en complet, 30€. Bon, de toute façon, vous l'avez vu, hein, c'est la personne qui m'a proposé 30€. Bon, on voit que c'est une personne qui ne connaît pas vraiment les prix. Enfin, elle m'a dit qu'elle voulait s'en débarrasser aussi, donc pour s'en débarrasser vite, c'est bien, parce que à peine elle était posée sur la table, que à peine j'étais là pour l'acheter. En tout cas, c'est cool ce lot, franchement, il y a des trucs que je vais garder, bon, des trucs que je vais revendre, hein, je vais pas garder, par exemple, le Wii Sports, le Mario Kart, j'en ferai rien, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que le reste fait plaisir, ça fait de belles rentrées dans la collection. Alors, niveau variété de consoles, il y a pas eu grand chose, hein, parce que bon, hormis deux jeux PS2, un jeu PS3, bah, il y a eu que de la Wii. Mais par contre, la personne à qui j'avais acheté le jeu PS2, alors ça je l'avais pas filmé, mais il y avait notamment une Dreamcast en boîte. Bon, la boîte était en mauvais état, mais il y avait une Dreamcast complète. La personne en voulait 100-150. Bon, très clairement, même si j'avais envie de l'acheter déjà, je l'aurais pas fait en vide-grenier, parce que je mets pas 100-150€ dans une console de vide-grenier. À moins que ce soit une console à 1000-2000 balles, mais bon, est-ce qu'il y en a beaucoup des consoles comme ça? Je ne pense pas. Et de toute manière, même si ça me traversait l'esprit de l'acheter, bah, j'avais plus assez de liquide. Et bon, pour moi, les virements bancaires en brocante, bon. Peut-être qu'une fois il faudra, mais je suis pas trop fan du concept. Même si, bon, ça se trouve, ça aurait été une excellente affaire. Je ne sais pas.
Mais donc voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo vide grenier live. On n'oubliera pas quand même les belles pioches d'ici. Comme quoi, ça motive à aller tôt le matin dans les vides-greniers dès les ouvertures. D'ailleurs, les gars, je vais pas vous mentir, je suis exténué là, parce que j'ai pas dormi de la nuit avant d'aller aux vides-greniers. Donc, clairement, là, je suis fatigué. Mais ça n'est pas pour rien que je me suis bougé. J'ai quand même trouvé des belles choses. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire de même. Si vous cherchez des jeux vidéo pour votre collection, n'hésitez pas à foncer en vides-greniers. Franchement, il y a moyen de faire des superbes affaires. Bon, après, il y a toujours... Il peut y avoir un problème, hein. Qui sait, ça se trouve, la Wii, elle marche pas. Mais bon, de toute manière, pour la Wii, j'en ferai un short pour voir si elle marche très prochainement. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter, tout ce que vous voulez, etc. Pour le référencement, hein. On approche la monétisation, je le dis à chaque fois. Mais bon, en espérant que ce concept vous plaise toujours autant, c'est déchilé, portez-vous bien. Salut!